les navires, les maquettes en plastique des navires de pirates de l'univers One Piece. Bien protégé avec des bulles d'air. J'ai une figurine de Grand Line Lady. Grand Line Lady. The Grand Line Volume 6. Bon presto. C'est le haut. Sur le haut de la boîte, il y a le nom du personnage. Sinon, tout le reste, il n'y a pas son nom. Non, du coup, c'est pas très grand. Bon, ça va, c'est convenable, mais c'est pas du plus de 25 cm. Et après. On a des boîtes abîmées. On va zoomer un peu. Maxime 14 quoi? Arc Maxime. En japonais et chinois, japonais, chinois. Les matériels outillage nécessaires, pinceau, ciseaux, une pointe ou peinture. Couleur dorée, autocollant à Maxime, bon, c'est assez petit, du coup la maquette de la taille de navire de Roger Jackson, c'est à peu près la même taille, c'est deux fois plus petit que le Going Merry. Troisième pochette, le manuel en couleur,
très fine, oui, les pages. C'est très très fin. Chaque papier, page, en couleur dans la première partie. Donc ici, c'est en couleur. Et l'autre côté, verso en noir et blanc. Ce sont des images, photos. C'est bien. Les images sont assez grandes. Avec du texte anglais et japonais. C'est très bien. Voilà. Pour le navire volante, on va passer à la suite. Le baratier, lisez les Américains, donc baratier. Donc pareil que tout à l'heure. Une petite alerte au niveau accessoires à utiliser en japonais et chinois. Les autocollants. Pour la première pochette. Deuxième pochette. Demi-sphère. Pour la coque du navire-restaurant. Le bâtiment. Donc ici c'est différent du modèle de live action de Netflix. Parce que pour le live action, en fait ici, la maison là, la maison carrée, ici ça a été remplacé par un phare. Un phare en mer dans la version live action. Alors ici c'est une cabane de maison avec la cheminée. Dans la deux pochettes. La deuxième pochette comporte trois catégories de pièces rouge, bleu, océan pour le support et le plancher du restaurant qui s'ouvre et qui ferme pour le client. Donc, la notice. En couleur, la première partie. Donc, feuille très fine. Et la deuxième partie au verso, recto-verso. Donc, en noir et blanc. Par contre, ceux-là, ce sont des vrais dessins. C'est des dessins ici. Alors que le modèle précédent, c'est des vraies images du modèle. Là, c'est les dessins. Voilà. Ok. Juste deux pochettes. Les chiens ici. Non. Après, la dernière boîte pour aujourd'hui, ma figurine de Robin. J'ai commandé une autre figurine habillée du mode de l'art à archipel Chapondi, donc avec la robe longue
à fleurs et la veste cuir bleu, le haut avec la poitrine ouverte, plongeante, et qu'on puisse voir les belles formes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Attends. Il y a encore du scotch. J'ai presque arraché en forçant. Ce qui est bien, il est intact. Oh, c'est très petit. Il y a la tête qui dépasse. Là, ça va. Elle a une belle moyenne de dimension, de taille en hauteur. Par rapport aux autres figurines de Nami Bois, elle est petite. Garantie. C'est quoi? Le socle de sport, la cape noire, les belles pattes, oh, pattes, jambes rallongées, doublées de longueur, et une tête avec une fixation assez solide apparemment parce qu'elle est assez gros la partie fixation. Ah oui, ça va jusqu'au cou, au fond de la gorge. Donc ça va fixer assez bien. Donc l'épaule avec trou pour fixer la cape et juste l'épaule, pas de pas sur le dos. D'accord. Vos chaussures, c'est une belle fixation pour que ça soit très stable. Très très bien fait. Magnifique.